Hier soir, dans la nuit, je me suis soumis d'un nouvel élément. Il y avait une Bible sur la table de chevet. Une Bible? J'en contrôle dans n'importe quel motel. Vous pourriez la décrire un peu plus? C'était juste une Bible. Peut-être, mais si vous vous souvenez de ce détail. Puisque je vous dis que c'était rien qu'une Bible. Non, ce n'est pas qu'une simple Bible. OK, arrêtez de faire ça, là. Arrêtez quoi? Ben ça, là. Toujours à chercher le moindre petit détail à n'importe quoi tout le temps. C'est mon boulot. Mais peut-être que vous devriez penser à changer de boulot. C'est vrai. Peut-être bonne sœur pour reprendre la Bible. Merde, mais vous démordez pas! Vous m'énervez à la fin, toujours à... Je suis désolée. Ma blague n'était pas fine. Non, c'est moi qui est désolée de m'être emportée comme ça. Écoutez, cela fait plusieurs séances que nous nous rencontrons. Et je vois chaque jour des progrès. Sauf que j'arrive toujours pas à me souvenir. Le processus peut être lent. Mais je vous rassure, votre amnésie est psychologique. Autrement dit, je suis fou. Si vous étiez réellement fou, en auriez-vous véritablement conscience? Si vous m'en parlez de cette Bible. Si j'en ai pas envie. De quoi voulez-vous parler alors? Je pourrais aussi ne pas parler. Malheureusement pour vous, un long silence en dit toujours plus. Si nous passions à notre séance d'hypnose. Ça m'a pas trop réussi la dernière fois, hein. Je préférerais continuer de parler. Au bout de la troisième séance, vous avez encore des réticences? Oui, ben j'ai... J'ai à chaque fois l'impression de perdre le contrôle. Étrange. Vous pourriez m'expliquer? Êtes-vous certaine que ce soit une bonne solution, cette hypnose? Qu'avez-vous dit? Je vous demandais si c'était une bonne solution, cette hypnose. Je suis quand même en mesure de savoir quelles méthodes sont les plus adaptées à mes patients. Vous m'avez demandé conseil. Vous savez, comme moi, que dans certains cas, l'hypnose peut aggraver le cas de certains patients. Il peut arriver que certains patients perdent le contrôle sur leurs souvenirs réels. Je connais la théorie. Vous voulez vraiment l'entendre? Je sais à quel point vous avez à cœur cette thérapie, mais est-ce que ça ne dépasse pas un peu le cadre? Patient psychologue. Je sais pas. Il me rappelle... Ida, j'ai été votre thérapeute. Longtemps. Je vous connais très bien. Peut-être qu'il serait temps de proposer à votre patient de consulter un autre collègue, hein? Je suis encore capable de m'en occuper. Je suis assez objective. Probablement. On en revient toujours au même problème dans notre métier, vous savez. Est-ce qu'on aide le patient pour lui-même ou pour nous-mêmes? Si j'avais qu'un seul conseil à vous donner, Ida, c'est celui-ci, vous le connaissez très bien. Je vous le rappelle à nouveau. Est-ce que c'est bon pour la guérison du patient? Êtes-vous sûr que ce soit bon pour ma guérison? C'est soit ça, soit vous me parlez de la Bible. Je vois que j'ai pas le choix, hein? Ne vous inquiétez pas. Je ne vous lâcherai à aucun moment.
Est-ce qu'il faut que je décrive mon objet, là, comme la dernière fois? Oui, c'est important. Ça permet d'ancrer la réalité dans ce petit objet. C'est une balle que mon père m'a donnée. Décrivez-la moi. Et comme la dernière fois, vous ne la lâchez à aucun moment, compris? Bien. Commençons. C'est une petite balle. Ronde. Caoutchouteuse. Une petite balle rouge. Caoutchouteuse. Que mon père. Mon père faisait rebondir. Encore. Encore. Bien. Maintenant, décrivez-moi la pièce. Dans la chambre, c'est... C'est la nuit. Dites-moi où vous êtes. Je suis dans la chambre. Je dépose mon chapeau. Vous ne faites rien d'autre? Non. Êtes-vous sûr? Non. Rien. Que faites-vous d'autre? Rien. Que voyez-vous? Je sors une Bible. Je la dépose. Disparu l'autre bord de la porte. Bien. Maintenant, dirigez-vous vers la porte et ouvrez-la. Non. Ah, arrête les jumeaux. Je pense que je suis plus tout seul. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver. J'entends sa respiration. Ah, oh, moi-même. Calmez-vous. Respirez lentement. Qu'avez-vous dans votre main? Ma balle. Bien. Tant qu'elle est là, vous ne risquez rien. Vous êtes juste en état d'hypnose. Voyez-vous le visage de cette silhouette? Non. Non. Que fait-elle? Elle passe devant moi. Je pense qu'elle écrit quelque chose dans la Bible. Allez vers la Bible! Non, faut pas. La porte! La silhouette est partie par la porte! Allez vers la Bible! Non, faut pas. Non, faut pas! Je suis où, là? Nous étions en pleine séance. Nous avons fait un grand pas aujourd'hui. Je n'ai pas peur de dire. Vous êtes sur le chemin de la guérison. Je suis pas sûr de trop comprendre. J'ai foi en toi, Christian. Bien sûr, nous aurons encore besoin de plusieurs séances ensemble. Mais j'ai confiance en l'avenir. Vraiment foi.